Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment ça marche avec la batterie. Donc voilà, un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et sur les forums de camping-car sur la batterie, comment ça marche exactement. Donc voilà, on peut lire de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, vous avez deux batteries. Donc moi en l'occurrence, ma batterie auxiliaire, chose qui peut être sous un siège à l'intérieur ou dans un placard d'habitacle de cellule de camping-car. Moi, la mienne, elle est dans la partie moteur à côté de la batterie moteur. Donc, pour vous expliquer clairement, ça va être beaucoup plus simple, sachant qu'il y a aussi, voilà, l'alternateur qui est juste là en dessous. Donc, je vais tout vous expliquer. Quand vous démarrez votre véhicule, vous prenez l'énergie de la batterie moteur. Donc la batterie qui est ici, une batterie, il y en a dans chaque véhicule à moteur pour histoire de lancer le moteur au démarrage. Une fois le moteur démarré, vous rechargez cette batterie grâce à l'alternateur. Donc tout le monde a déjà entendu parler de l'alternateur. L'alternateur, c'est la partie avec les ailettes qui est juste là. Voilà, c'est un genre de génératrice de bobine qui recharge et qui envoie aussi du 12 volts dans tout le véhicule et qui recharge cette batterie-là. Ensuite de cette batterie-là, nous, on a besoin de remplir cette batterie-là, qui est une batterie auxiliaire. Voilà, donc vous voyez que c'est une batterie à décharge lente spéciale pour marine et caravane qui fait 90 ampères en 12 volts. Et donc pour la recharger, cette batterie, nous, on va reprendre l'énergie de l'alternateur quand le moteur est démarré. Donc quand le moteur est démarré, il y a du 12 volts qui est envoyé ici, mais aussi sur celle-ci, en passant par ce qu'on appelle un coupleur séparateur. Ce qui fait que vous pouvez allumer de la lumière à l'intérieur, vous prendrez que l'énergie de celle-ci, et vous n'allez pas prendre l'énergie de cette batterie-là. Puisque ce petit boîtier va envoyer du courant à celle-ci, mais ne le renvoie pas à celle-ci. Voilà. Donc, c'est ce petit boîtier, un coupleur séparateur, qui est très important dans un camping-car, afin de ne prendre l'énergie que d'une seule batterie. Donc, cette batterie, elle peut être chargée par l'alternateur quand on roule, ou par un panneau solaire. Donc, nous, on n'a que l'alternateur. Voilà, on a passé toutes les lumières à l'intérieur en LED, on a une télé en LED, mais toute l'énergie qu'on prend, elle est prise que sur cette batterie-là, grâce quand le moteur tourne. Quand on roule, on recharge cette batterie-là, et ce qui nous permet, nous, d'être au moins 3 à 4 jours sans redémarrer le moteur pour recharger cette batterie-là. Et donc, comme on reste jamais au même endroit, c'est-à-dire qu'on a, pour l'instant, on n'a vraiment pas besoin de panneaux solaires. Dans le futur, il y en aura un pour alimenter, recharger au mieux tous nos accessoires 12 volts. Actuellement, je suis obligé d'avoir des petits panneaux solaires pour recharger une petite batterie que j'ai, qui est juste ici. Voilà, une petite batterie donc de moto qui est au gel, donc ce qui me permet qu'elle soit, elle peut être renversée, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est une petite installation annexe que je fais, mais au moins je prends pas l'énergie de ma batterie, qui celle-ci sert vraiment pour l'éclairage, pour la télé, si voilà, si les filles regardent la télé, et puis aussi des fois pour recharger un portable aux 12 volts si mon système de batterie moto est vide ou est en train de recharger au soleil. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit un minimum. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans la description de la vidéo, juste en dessous, vous pouvez en commentaire mettre si vous avez des demandes ou si vous voyez des choses à rajouter dans la vidéo, parce que voilà, je préfère expliquer que les bases simples. Ne pas rentrer dans le trop compliqué, mais voilà en gros comment ça marche les batteries de camping-car.
Donc c'est pareil aussi si vous avez deux batteries auxiliaires. Donc ça c'est vraiment, voilà, on rentre dans la partie technique. Si vous avez deux batteries auxiliaires, donc l'arrivée du plus sera sur le plus de celle-ci, qui rejoindra après le plus de l'autre batterie, et le moins arrivera sur cette batterie-là, sur l'autre batterie. Donc vous avez votre deuxième batterie qui est là, vous avez le moins qui est là, et là vous reliez à la caisse le moins, et l'autre vous reliez là, et pas le moins à la caisse là, et le plus qui arrive. Voilà, ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre batterie si vous voulez. Donc le courant arrive ici et la masse sur l'autre batterie. Et si vous avez la troisième batterie, et ben ce sera toujours la troisième batterie qui sera la masse par exemple. Ou sinon le plus qui arrive à la troisième batterie et à la dernière batterie, la masse qui repart à la masse. Voilà, c'est jamais la première batterie qui est reliée aux deux. Donc si je me fais comprendre, le plus au plus et la masse à la masse sur la première batterie et les autres branchées. Donc plus, plus, moins, moins. Là, ça va pas. Je vais essayer de faire un schéma pour bien vous faire comprendre, afin que ce soit clair, parce que je sais qu'il y a énormément de vidéos là-dessus, d'erreurs, et aussi beaucoup de questions là-dessus, et de nombreuses erreurs. Donc, je vais vous schématiser tout ça. Donc, nous voici devant le schéma. Donc, ici, vous avez votre panneau solaire, ici, votre alternateur, donc ce qui produit de l'énergie quand votre moteur est en marche. Votre batterie moteur et vos batteries cellules. Là, j'en ai mis trois. Donc, on va faire quand le moteur tourne. Donc, quand le moteur tourne, l'alternateur produit du courant. Donc, il recharge en priorité la batterie moteur. Une fois que cette batterie moteur est pleine, donc on va faire ça. Et ici, on va faire donc le boîtier, le coupleur séparateur. Donc ce que je vous ai montré, le petit boîtier où il y a un fusible, et voilà, c'est ce qui empêche que le courant retourne dans l'autre sens. Le courant va passer que de la batterie moteur à ici, et donc voilà, il vient ici à la partie plus de cette batterie-là. Vous avez la masse, donc là j'ai fait la masse, donc ça peut être sur le châssis, sur voilà, toute la partie moteur, enfin métallique. Du véhicule. Donc chaque point métallique est une masse en fait. Donc là je l'ai relié à cet endroit-là. Et donc on aurait tendance à faire ceci et à relier et après faire plein de petits ponts comme ça. Voilà. Sauf que non. En termes de d'usure de batterie, ça ne va pas du tout. Il ne faut surtout pas faire comme ça. Relier le plus et le moins de la même batterie. Donc en fait, la masse, elle va venir toujours à la dernière batterie. Donc le plus arrive à la première et la masse à la dernière. Et donc pareil pour le panneau solaire. Ici, c'est la borne moins. Et donc voilà. Voilà qui est clair. Et la borne du panneau solaire à la première batterie. Voilà grossièrement comment il faut faire pour relier une, deux, enfin deux à trois batteries de cellules. Et donc jamais ne relier toujours la première et la dernière. Le plus à la première, le moins à la dernière, ou le moins à la première et le plus à la dernière. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Mais il faut que ce soit toujours comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous aurez tous compris et n'hésitez pas à mettre si vous n'avez pas compris en commentaire ou si vous voyez des choses à rajouter en commentaire. À bientôt!